illustration d'un camion de pompiers. Philippe Huguenin a FP une information judiciaire pour homicide involontaire par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, a été ouverte ce vendredi par le parquet de Villefranche-sur-Saône, Rhône, après la mort d'un enfant qui avait mangé des crêpes à l'école alors qu'il était allergique aux produits lactés, rapporte France Info. La maîtresse, qui a distribué les crêpes, a été une nouvelle fois entendue vendredi par les enquêteurs avant de repartir libre. Elle devrait être reconvoquée ultérieurement. Les parents accusent directement la maîtresse de l'école Jadin, 6 ans, était mort peu de temps après avoir mangé une crêpe lors du carnaval de son école maternelle à Lima, Rhône. Il avait l'habitude de manger des crêpes, uniquement confectionnées à l'eau. L'autopsie pratiquée a confirmé que le garçon était mort d'un choc anaphylactique, une réaction allergique immédiate. Les parents du petit garçon accusent directement la maîtresse de l'école. « Pour moi, c'est totalement la faute de la maîtresse. Ils étaient tous au courant pour l'allergie au lait de vache et de ce qu'il fallait faire en cas d'urgence », avait déclaré le père de l'enfant. Au-delà de l'enquête judiciaire pour déterminer les responsabilités personnelles de cet accident, une enquête administrative a été ouverte. L'inspection générale de l'éducation nationale a été saisie. Une enquête va être menée dans les meilleurs délais, a précisé le